Yo les mecs. Yo les gars. On se retrouve encore à la Japan Tour. Et là on va tester, on va faire une dégustation, on n'a jamais fait. Ah ouais. Bubble waffle les amis. Je sais même pas ce que c'est des gaufres. Je connais pas lui, mais je connais rien. Et il m'a fait prendre une gaufre salée les gars. Et moi c'est la gaufre sucrée. C'est une gaufre, il y a de la saucisse, du cornichon et tout. T'es marre. Glace vanille, Oreo, M&M's, Mikado. Ça c'est de la bubble waffle. T'es marre, ça te tue. C'est chelou. Chelou. La gaufre elle est sucrée et le reste c'est salé. Ah bah ça c'est fait carotte hein. Bon le Mikado, on connaît, c'est du Mikado. C'est la gaufre surtout qui nous intéresse. Elle est bonne hein. Mais c'est la même gaufre pour les deux en fait. Elle est bien. Dans le sucré en tout cas elle va bien. C'est vrai dans le salé ça doit être un peu chelou. Je te ferais bien goûter mais tu peux pas. Non, mange pas de viande les amis. Non ça va, franchement ça passe. Après j'en mangerai pas tous les jours. Qu'il est beau. Tatia, tu veux que je te mange? Tu veux que je te goûte le Mikado? On va continuer le bubble waffle. Pour le coup, la gaufre, elle est pas mal. Elle est sucrée. La meuf? Non, pas la meuf. Ah, j'ai cru, pour le coup, la meuf, elle est pas mal, elle est sucrée. Non, la bubble waffle. Ah ouais? Lui, il est resté scotché sur. Non, mais c'est le. Voilà. Laisse-le tranquille. Oreo. Vous prépare une vidéo là-dessus. Là, on peut peut-être en profiter pour débriefer notre week-end, Sofiane. Avec la bouche pleine, c'est toujours mieux. Forcément. Mais là, je suis bloqué, là. Comment je fais, maintenant? Tu te démerdes. Putain. J'avoue, c'est pas évident de manger. Bah ouais. Alors, c'est bien gentil, hein. Il est bien gentil, leur carton. Le ton tard, il est gentil, mais... pour manger, c'est pas facile. Bon, alors, les mecs... Hier soir, on a dormi, on a été logé. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Et le problème, c'est qu'on dormait à 6 dans 20 mètres carrés. Et il s'est passé des choses. 20 mètres carrés, t'es gentil, je sais pas. Ouais. Il y avait une chambre à côté, occupée par deux personnes. Un couple. Nous, on était en lit super bien, on était obligés de dormir ensemble. Et au-dessus de nous, il y avait un autre couple. Déjà, on s'est couché. Moi, je commence à me mettre sur le côté pour dormir. Et moi, je me mets de l'autre côté, tu vois. Et ça, Sofiane, elle se couche, je sens, sur mon épaule, je sens. Putain, je me donne. Et là, je vois, il était mort de rire, il me dit. Et en fait, il y avait des bruits trop chelous de l'autre côté de la mais porte. Mais quand il vous dit j'étais mort de rire, c'est vraiment, je prenais mon coussin, je me le mettais sur ma tête. J'étais explosé, j'en pleurais. Lui, il comprenait pas. Il me dit comme ça, tu sais. Au début, j'entendais pas. Quoi? Je dis, ouais. Du quoi? Et après, j'étais mort de rire. Et après la compris. Antti, il nous a entendu. Du coup, il a compris. Et lui aussi, il était mort de rire. Du coup, bah, on a rigolé au moins pendant 2 minutes 30. Sans s'arrêter, ouais. De toute façon, c'est le temps que ça a duré. Dédicace, les gens. Tu nous regardes? On dit pas que tu sais. On a tapé des barres. Franchement, on n'a pas beaucoup dormi la nuit, les gars. Ah ouais? On se couche à 2 heures. Il a dormi plus que moi, lui. Lui, il a réussi à dormir. Moi les gars, je pouvais hop. Après, attends, c'est pas fini. Non mais, il y avait ça qui s'est passé à côté de nous, tu vois, des mecs, bam, bam. Ouais, ça a pas duré longtemps, mais bon. Wow. Après, le matin, on se couche à 2h. À 6h, je suis réveillé. Il y a moi, deux trucs déjà qui réveillé. Il y a l'autre con qui était mort de rire. Et au-dessus, il y avait un mec qui était en train de passer une tondeuse. Parce que ça ronflait les frères. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un ronfler aussi fort de ma vie. Et on savait pas si c'était la fille ou le mec. Tu vois un tracteur, c'est gentil à côté. Ouais, c'était un tracteur de l'ancien temps. Mais là, tu... On va vous faire écouter. Ah oui, j'ai pris. Bah oui, t'as pris. Diffusion. Mais on n'entendra peut-être pas bien. Et d'un seul coup, donc nous en fait on essayait de siffler. Et pas genre siffler super fort, ça marchait que dalle. À la Louis de Funès, vous savez, dans la grande vadrouille, quand l'autre il ronfle, après tu siffles, il est en train de faire ça, j'étais encore plus mort de rire, je pensais à Louis de Funès. Et d'un seul coup, on entend au-dessus de nous, oh, comme ça, l'autre du coup ça s'arrête. Et là, on fait exactement, on se regarde, on fait « Oh, merci » et tout. Et une minute même pas après, ça se remet à ronfler. Et l'autre aussi, les deux après, ils ronflaient, ils se répondaient, mon frère. Ça fait... C'était un truc de ouf.
Ouais, nous on était en pissage, on s'est pissé dessus de 6h du mat. Oh, ouais. Parce que nous on est des gros gamins les gars. Donc ça nous fait rire 5 minutes, mais ouais, ça nous fait rire 2 heures. Donc pendant 2 heures, comme des cons, on rigolait, on essayait de siffler des chansons. Ah, c'était des bars. Des bars les gars. Après, bah du coup après on est revenu au salon. Défoncé hein, forcément. Là encore ça va, je crois qu'on est pas trop mal. Franchement ça va, mais... On a dormi avec 2-3 heures. 32 ans, ça commence à tirer, les gars. Moi, j'ai dû dormir, ouais, 3-4 heures. Avec la route, tout ça. C'est chaud, quand même. Ah, putain, mais il y a des chips. Pourquoi il met des chips au fond? T'as de carottes avec des chips. T'as lu, mon frère, il a mis tout ce qui traînait. Le japonais, il a rempli. Mais c'est pas mauvais. Et après, du coup, ce matin, on n'a pas fait grand-chose. On va pas vous mentir. Hein, on va pas mentir. Bon. Surtout Dragon Ball, quoi. On a tourné une vidéo. Ouais. Et après, cet après-midi, par contre, c'était excellent, on a mis le feu, on était sur la scène. On a commenté une compète de Jump Force. Jump Force, ouais. Qui est... Bon, Jump Force, franchement, les mecs de Jump Force, c'est votre jeu, il est claqué, il est nul. On va pas se mentir. C'est éclaté. C'est nul. Donc on connaît pas le jeu, je connaissais pas la moitié des persos, mais on a commenté quand même en délire, hein, vous nous connaissez. Au début, il y avait 3 personnes dans le public, à la fin, franchement, il y avait du monde. Après, on est passé à... Dragon Ball Fighters, où là en fait, Sofiane il était dans un fauteuil en train de jouer et il y a 12 personnes qui ont défilé pour essayer de le battre. Il a perdu juste au dernier. Grave, de ouf. Et moi forcément, c'est mon pote, c'est mon frérot. Ouais, forcément, bah... je voulais qu'il perde. Ouais, voilà. Mais hey, dites-vous les gars, il y avait 3 personnes au départ pour Jump Force. Plus on avançait dans le tournoi Jump Force, plus les gens, comme on était en train de mettre un peu d'ambiance, ils sont venus. Commençait à y avoir vraiment pas mal de monde. On a bifurqué sur Dragon Ball Fighters. Mais à la fin, c'était blindé, les gars. Je me suis installé et la scène, les gars, elle était blindée. Tellement, ils mettaient l'ambiance de ouf. Et moi, j'étais là, tu vois, en mode, ouais, machin, vous savez. On se cherchait, tu vois, avec de l'arrogance. Le dernier mec qui m'a battu à la fin, c'était le dernier. Ils se sont levés, ils ont applaudi et tout. Genre, c'est l'attraction de ouf à la Japan Tour, tu vois. C'est un truc de ouf. Oh là là. Il y a plein de sauce qui a coulé au fond. La glace, il en a plein de pantalons. Non. Et du coup, là, il est 16h30. Ça coule. Mais tu veux que je passe quoi? Oh, arrête de tripoter en stream. Je sais pas. J'ai même pas de serviette. Bah moi non plus. Bon bah les gars, donc là, toi je te laisse en galère. Putain merde, j'ai 16h37, on va arrêter la vidéo là. Et nous on va remballer, on va rentrer chez nous. On a 2 heures de route, on est fracasse. Et demain, il y a les enfants à l'école, on reprend notre vie normale. Bisous les amis. C'était Sofiane et Luthor à la Japan Expo Tour. Japan Tour. Japan Tour. Japan Tour. Japan Tour. Japan Tour. Pas Expo. Non, on a bien déliré. Ouais. Non, on a déliré de ouf, les amis. Et franchement, là, les waffles, bah franchement, c'est bon. J'en mangerai pas tous les jours parce que c'est un peu écœurant. Puis c'est pas super bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Voilà. Les gars, les mecs, et surtout, n'oubliez pas, la passion passe après priorité. Ciao, ciao tout le monde.